Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il va, comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal de changements sur ma chaîne. Je vais maintenant dire plutôt notre chaîne, ça fait partie des changements. D'abord, le titre de cette chaîne, ce n'est plus Serge Autocar, mais ça va redevenir Geek in World. C'est déjà a priori le cas déjà maintenant, si j'ai fait les changements qu'il faut. Donc maintenant, cette chaîne, dans les moteurs de recherche, ne tapez plus Serge Autocar, mais Geek in World. Sinon, voilà, vous n'avez alors du mal à trouver cette chaîne. Pourquoi je fais ces changements? Pour deux raisons. Comme vous l'avez de toute façon compris, cette chaîne est avant tout, elle essaye de promouvoir, si je peux m'exprimer ici, la culture geek. Et pour moi, la culture geek, c'est quoi? C'est tout simplement la culture populaire à travers le cinéma, les séries télé, les produits high-tech et même de temps en temps les voyages. Je vais l'inclure dedans parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, même si c'est pas geek. Parfois, je vais quand même tenter de trouver un angle geek pour mes voyages, mais voilà, je vais quand même l'inclure sur ma chaîne, sur notre chaîne, comme vous voyez, j'ai du mal. Car oui, cette chaîne, eh bien, je ne serai plus tout seul. C'est déjà le cas depuis plus d'un an. Je fais de temps en temps des vidéos débats avec mon pote Cyril. Je sais que vous appréciez de plus en plus Cyril. En plus, c'est vrai, nous sommes assez complémentaires. C'est-à-dire que moi, lorsque je parle d'un film ou d'une série télé, ce sera plutôt sous un angle plutôt émotionnel. Et Cyril sera plutôt sous un angle un peu plus technique, parfois un peu plus culturel, ça dépend. Donc ce qui fait que nous sommes assez complémentaires, Cyril et moi. Et j'ai donc décidé que je souhaiterais que Cyril fasse également des vidéos tout seul sur cette chaîne. Et il va en faire de plus en plus. Il en a déjà fait une concernant Game of Thrones, la saison 8. Si vous ne l'avez pas vu, je mets les liens dans le descriptif. Il y a aussi un lien qui devrait s'afficher. Ou plutôt là, je ne sais plus, c'est plutôt là je crois, devrait s'afficher sur l'écran. Donc si vous intéresse, si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo qu'a fait Cyril. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins une vidéo par mois avec Cyril, tout seul, comme un grand. Et voilà, je pense comme ça, ce sera assez complémentaire et je pense que vous allez apprécier le changement. Il y a aussi d'autres changements que vous avez pu marquer. Il y a également des interviews, des vidéos interviews. Il y en a déjà une sur Mathieu Condrizine, qui est un écrivain qui a publié son premier roman fantastique. Je vais également mettre des liens dans le descriptif et ça devrait également s'afficher sur les écrans. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il y aura une autre vidéo interview qui va sortir sur cette chaîne et j'espère qu'il y en aura de plus en plus parce que j'aime ça, je trouve que c'est intéressant et je pense que vous aimez également les interviews évidemment de personnes qui ont un rapport avec avec la thématique de ma chaîne, c'est évident, je ne vais pas interviewer un cuisinier ou un coiffeur, donc voilà. Donc il y a quelques changements, je souhaite donc de développer de plus en plus ma chaîne parce que je trouve que ça fait du surplace en termes d'abonnés. C'est vrai que je radote assez souvent depuis plusieurs mois. C'est vrai que je vois que le nombre d'abonnés n'évolue pas ou plutôt peu. C'est pas suffisamment par rapport au travail que j'effectue. Donc c'est vrai que je m'épuise, j'ai du mal à trouver des ressources pour pouvoir continuer car pendant 3 ans j'ai fait des vidéos quasiment tout seul. Donc voilà, je me sens un peu fatigué, un peu épuisé et donc c'est pour ça que Cyril va venir m'épauler et pourquoi pas d'autres personnes par la suite, en espérant qu'ainsi il va y avoir une sorte d'émulation non seulement créatrice, mais également de plus en plus de vues et d'abonnés. C'est ce que je souhaite parce que je me le répète, mais cette chaîne n'est pas monétisée. C'est une chaîne seulement de passionnés pour les passionnés. Donc voilà, l'intérêt de ces vidéos, c'est d'être vu. Sinon, voilà, je ferai des vidéos pour moi tout seul. Donc c'est vrai que c'est quand même assez épuisant de fournir autant de travail et qui est pas beaucoup de vues, je dois vous le dire. J'ai même réfléchi, faut l'avouer,
même d'arrêter cette chaîne ou voire de créer une autre chaîne et de repartir à zéro. Je ne sais pas encore. En tout cas, cette chaîne va rester. Il y a seulement le nom qui a changé. Sinon, ce n'est plus Serge Autocar, mais Geek in Word. Cyril va faire de plus en plus de vidéos seul. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite parce que moi aussi, j'aime ce qu'il fait. Et il y aura également pas mal de vidéos, interviews de plus en plus. Et d'ailleurs, si vous êtes, si vous travaillez dans le secteur du cinéma, des séries télé, des produits high-tech, et si ça vous intéresse d'être interviewé par nous, eh bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou de rentrer en communication avec moi en m'envoyant un message privé, un mail. Enfin voilà, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter. Donc c'est pas possible que vous ne puissiez pas m'envoyer un message si ça vous intéresse d'être interviewé. Donc je crois que j'ai dit ce que je souhaitais. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, faites-le, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye !